Bah d'abord, c'était une visite de courtoisie que je me devais de lui rendre suite à sa nomination, parce que nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FRDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Écoutez, nous soutenons tous les efforts de paix et de sécurité, les processus de Luanda, le processus de Nairobi. On a beaucoup parlé d'ailleurs avec le vice-premier ministre du programme de désarmement, démobilisation. Il faut bien sûr que le M23 se retire des positions qu'il occupe maintenant, il a commencé à le faire, mais il faut aussi qu'il soit caserné, il faut qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit démobilisé. Et donc nous sommes en discussion, voir comment nous pouvons au mieux appuyer la République démocratique du Congo dans ses programmes. Écoutez, très positif, je pense qu'on est dans le cadre d'un dialogue vraiment partenarial. Nous pouvons apporter des choses. Et de son côté, il peut apporter des choses, donc nous sommes vraiment dans une logique de co-construction pour appuyer bien sûr le retour à la paix et à la sécurité, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo.